Donc bonjour tout le monde, ici Tché. Comment allez-vous? Moi je vais quand même bien. Alors première vidéo live depuis la fois où en fait où j'ai fait une vidéo pour expliquer que mon compte avait été supprimé puis que je savais pas trop comment. Donc là je vais vous faire un petit tutoriel un peu en live du mieux que je peux sur la capture de flag. Prenez Ce que je vous l'objectif. conseille. Attendez un peu, je vais baisser le son de ma télé, être sûr que vous entendiez pas trop. Voilà. Je vous conseille une arme légère, donc fusil ben mitraillette, une petite. Là, je dis pour l'objectif player. Sinon, il faut des joueurs qui défendent. Par contre, là, je joue pas que des membres de ma team, fait qu'on peut pas trop défendre. Puis c'est ça. Donc, une petite arme. Soyez le plus discret possible, donc avec un silencieux. Puis en arme secondaire, je vous conseille aussi un silencieux, une petite mitraillette comme moi. J'ai pris la MP9. Oh merde. Et meurs-toi. J'ai pris la MP9 silencieuse. Je sais qu'il y en avait un autre, mais c'était un peu trop risqué d'y retourner. Avec la MP5 silencieuse. Puis le but, c'est vraiment d'aller chercher le flag. Là, je sens qu'il va y avoir un petit campeur à quelque part. Je sais pas trop où. Là. Voilà, toi, meurs. Meurs, 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 meurs. Merci, mon ami. Il l'a eu, il l'a eu. Ok, le gars avec notre flag est là-bas. Oh, non, c'est pas, il n'y a pas notre flag. Qu'est-ce que je dis là? Je sens que mon ami va mourir, en tout cas. Je vous conseille, puis avec les séries d'élimination, le drone, le IMS et l'autre affaire là, je me rappelle plus trop. Ça s'appelle. Attends, c'est un colis stratégique. Parce que c'est les kills streaks qui s'obtiennent le plus rapidement, le plus tôt possible dans vos séries d'élimination. Comme là, je viens d'avoir mon drone, c'est dommage que je me suis fait buter à cause que je pensais qu'il y en avait un seul. Donc je vous conseille le drone parce que vous pouvez vous déplacer plus rapidement. Là, le gars avec notre flag est là-bas, on va essayer de le rattraper. Et hop, il va sortir là-bas. Donc je vous conseille justement les killstreaks qui se prennent assez rapidement pour justement la facilité à les obtenir. Puis qui peuvent vous être utiles aussi. Le IMS par exemple défend votre flag. Le drone vous dit où est-ce que les ennemis pour quand vous allez chercher. Comme là je vois qu'il y a beaucoup d'ennemis, fait que je vais pas trop faire mon compte. Je vais y aller discrètement. Là, il y a un drone. J'ai pas mis le truc pour se camoufler à cause que je pensais que condition. Ouais, je vais dire ma classe. J'ai mis condition extrême pour courir plus vite puis aller plus vite à mon flag. J'ai mis l'autre affaire. Comment ça s'appelle? Oh merde, je me fais suivre. L'autre affaire. Je sais pas trop ce que j'ai mis. Je vais voir quand je vais mourir. Et le troisième. Je m'en rappelais plus non plus. C'est vraiment, c'est bête là. Je sais pas trop pourquoi je me rappelle plus de mes trucs. Mais en tout cas, tout a son utilité. Je vais vous l'expliquer par la suite. J'ai mis aussi le brouilleur comme second équipement parce que c'est déjà plus simple. Parce que quand moi je suis, oh merde, quand j'ai le flag, il y a comme tout le temps un drone pour éviter le camping. Il y a tout le temps une sorte de drone qui dit où est-ce que je suis. Fait que comme ça, ça me permet de pouvoir me camoufler sans que les ennemis sachent où est-ce que j'y vais. Comme là, mon ennemi, mon allié, je veux dire, a été super utile. Il a mis lui aussi un truc pour me protéger. Donc, comme ça, je peux me camoufler le plus facilement du monde. Fait que c'est ça. Ensuite, ouais, comme arme secondaire, bon, j'ai dit toutes les silencieux, puis pouvoir se déplacer le plus rapidement possible. Là, j'ai un. Ah, j'ai réussi à avoir mon colis. Un kill, puis j'ai le IMS. Je vais vous montrer si j'ai réussi à l'avoir, à l'obtenir. Je crois que l'ennemi n'a pas de. Bah, le brouilleur peut être aussi utile si vous utilisez pas le silencieux. Je crois que c'est quelqu'un ça. Non? Il y a peut-être un campeur là-bas dans le fond. On va voir. Et non, la ronde se termine. On va y aller pour la deuxième ronde. On va essayer de finir ça tout aussi bien. Bon, je viens d'être promu, c'est amusant, c'est toujours le fun. Fait que c'est ça. Puis j'ai mis la Semtex parce que. Ben, vous pourriez mettre une frag aussi parce que. Tout dépend de ce que vous voulez faire là. Non, je pense que j'ai lancé mon stratégique, peut-être que ça pourrait m'apporter un kill. Pour avoir le IMS. Qu'est-ce que je disais? Je m'en rappelle plus. Ouais, tout dépend le type de grenade que vous voulez prendre. Il y en a qui aiment mieux la Semtex parce qu'elle est plus précise. Ou moi je préfère la frag habituellement parce que c'est oh, un mitraillage hélicoptère. Et merde, je l'ai lancé, je voulais pas. Je voulais pas. Ah merde. Je croyais que c'était un truc qu'on faisait que appuyer puis il partait, mais finalement il fallait que je dise où est-ce qu'il était. Bon, je pense que je l'ai mis un peu sur leur flag. Allez, faites-moi un petit kill pour avoir mon IMS. Oh, ça compte même pas. Ah, vu que c'est une série de morts,
Que j'ai eu avant, c'est ça? Bah, je dois être mort en entre temps. Oh, une manche qui compte pas. Ok, ouais. Là, il s'approche, il va vers le centre de la map. Je vais aller l'achever, lui. Allez, passe devant moi. Oh, il passe là, lui. Et non, t'aurais pas dû. T'aurais pas dû, toi. Et hop, je l'ai, j'ai mon YMS, je vais le porter vers notre frag. Donc, justement, comme je disais, la frag va beaucoup plus loin qu'une Semtex. On va juste voir où est-ce qu'il s'en va, lui. YMS. Hop, c'est un truc qui a des sortes de bouncing bellies autour qui sautent quand il y a quelqu'un qui arrive. Fait que, bien souvent, on est pris au dépourvu à cause qu'on est trop dans le feu de l'action. Puis, on se fait buter par l'IMS, même s'il est super pas subtil, il est vraiment gros. Mais bon, c'est ça. Bon, je vais bloquer l'ennemi ici parce qu'il va s'en venir ici, je le sens. Je le sais. Je le sens et je le sais. Et merde. On l'a repris. Il n'y avait pas un ennemi. Bon, voilà. J'ai fait un kill au IMS. Comme vous pouvez voir, je sais pas si. Non, la série en assaut recommence pas. Vous crevez, 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 crevez. Oh, j'ai. Non, non. Ah non, j'aurais pu avoir le double. Bon, donc c'est ça. Puis comme je disais, le brouilleur, c'est pour justement vous camoufler de vos ennemis quand vous avez le drapeau. Fait que je vous conseille vraiment ça, essayez ma classe. J'ai pas checké les deux autres atouts, je vais vous les montrer juste pour faire ça bien sympathique. J'ai bouclier anti-explosion et rapport. Bon, bouclier anti-explosion, c'est à cause que c'est toujours chien de... Quand, mettons, t'es trop dans le feu de l'action, tu te pognes une frag random ou quelque chose d'autre. Exemple... Oh merde, tu as acheté. Oh, le mauvais spawn, pareil. Merde, j'arrive pas à l'ajuster. Drone de reconnaissance. Drone activé. Et hop, les autres. Il était dans mon bac. Je vais courir, je vais essayer de me sauver. Et hop. Tentative d'échappement réussie. Oh merde, il y en a un vraiment proche dans mon bac. Il me tire, il me tire. Cours, 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 cours. Oh merde, j'aurai pas le temps de me rendre. Il est stupide. Allez, protège, protège, protège. Et on finit ça. Oh non, c'est deux. Oh non, c'est deux. C'est deux. C'est terminé. Bon, on va attendre qu'ils s'en viennent, je le sens. Je le sens, non. On peut-être avoir un truc avec. Bon, cœur par carpaccage. On va bien voir. Donc, c'est ça, j'espère que ça vous aurait. Ça vous aura été utile pour ce petit tuto pour la capture de flag. Bon, j'ai un drone qui est toujours utile. Donc c'est ça, j'espère vraiment que ça vous a été utile. Puis que vous allez tenter de faire ça. Essayez quand même de varier les armes. Prenez la MP5K est pas trop abusée parce qu'elle bouge beaucoup. Prenez pas le UMP, ça pourrit un peu le live pour les autres joueurs. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Je suis dans un brouilleur. Hop, non, toi. Hop, toi, jeté. Le MP9 bouge vraiment pas beaucoup. Fait quand même beaucoup de dommages. Fait qu'avec un silencieux, c'est vraiment une tuerie. Je vous le conseille vraiment. Fait que c'est pas mal ça. On va aller voir ici si on peut se faire un petit dernier kill. Oh non. Voilà, la partie s'achève. On a gagné 2-0. Tout le monde avec ce score de 2 captures, je crois. 2 assists, 16 éliminations, 2 morts. Donc un ratio de 8. Je vous dis à la prochaine. Pressez like si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous. Ciao.